Monsieur Fukuyama, qui lorsqu'il parlait de la fin de l'histoire, il faisait partie de ceux qui sont convaincus, il l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais qui était convaincu que le néolibéralisme allait gagner, allait régner sur la Terre ad vitam aeternam et qu'on n'allait pas changer de système. Or, l'histoire, c'est une addition de plusieurs chapitres et il y a toujours des pages qui finissent par se tourner. Le néolibéralisme a eu sa période. Elle est aujourd'hui à l'aube de son déclin. Ce que le néolibéralisme n'avait pas anticipé, il n'avait pas été dans une démarche prospective par rapport à ça, c'est que lorsque vous additionnez au néolibéralisme économique un néolibéralisme sociétal, et c'est peut-être ce qui est le plus dramatique en la question, parce que c'est le néolibéralisme les deux sociétal. Sont liés, n'est-ce pas? Exactement, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Lorsque le néolibéralisme sociétal gangrène les sociétés, on arrive à faire en sorte que ce qui est le tissu principal d'une civilisation qui est sa culture et sa tradition, finit par s'effriter. Et il arrive un moment où, quand vous poussez une population dans ses derniers retranchements, quand vous la poussez à une complète aliénation, il peut toujours avoir un sursaut de dignité qui pousse justement ces différentes entités à se regarder, à se dire « mais pourquoi vous voulez nous imposer ce schéma de société ?» Et donc, ce qui était censé être le printemps éternel du néolibéralisme, et en réalité, le néolibéralisme a creusé sa propre tombe en montrant son vrai visage. Tant qu'il montrait simplement un aspect économique à la question sur laquelle on peut débattre déjà de manière éternelle, hein, durant de très longues heures en tout cas, on aurait pu débattre. Rappelons aussi une chose, c'est que Kwame Nkrumah, père du panafricanisme, a eu sa période communiste, marxiste, mais il a eu aussi sa période libérale. C'est-à-dire que c'est précédé en général d'une période communiste. C'est-à-dire toujours. Que l'idéologie communiste a des éléments d'émancipation, s'émanciper évidemment de la domination, du dominant qui est affilié aux colons. Hein, et donc c'est d'où les affinités tout entre à fait. les deux mouvements. Alors toujours, on doit préciser, parce que malheureusement le temps tourne et on passe d'un siècle à un autre, le communisme d'aujourd'hui, malheureusement, n'a plus grand chose à voir. On parlait tout à l'heure de néolibéralisme sociétal. Le communisme d'aujourd'hui, par exemple, critique le libéralisme économique. À savoir si c'est du vrai économique. Voilà, exactement. Il critique le néolibéralisme économique, mais il est englobé totalement sur la question du néolibéralisme sociétal, que ce soit sur les questions de genre, que ce soit sur les questions d'un tas d'autres choses, etc. Mais juste pour conclure dessus, parce que je pense que c'est extrêmement important, beaucoup de partis, durant les années 60, à la période où l'Union soviétique avait une réalité paradigmatique présente, d'accord, et était dans une démarche d'autodétermination réelle, beaucoup de structures anti-impérialistes se sont construites à l'époque, comme vous le dites, sur le logiciel marxiste et communiste par rapport à la dichotomie entre prolétariat et les élites. Mais dès lors qu'il y a eu cet effondrement du mur de Berlin, vous voyez en effet que ces idéologies ont été abandonnées. Aujourd'hui, vous remarquerez une chose, et c'est peut-être là où arrive la solution entre différentes nations qui sont opposées et qui sont imprégnées de l'hostilité, et surtout en tout cas les pays du Maghreb vis-à-vis des pays d'Afrique subsaharienne, même s'il peut y avoir aussi un retour qui est présent chez certaines populations. C'est que dès lors que nous observons les phénomènes politiques majeurs qui sont en train de prendre une essence, une émergence réelle au XXIe siècle, notamment ce qu'on appelle le souverainisme, on constate que les pays, dès lors qu'ils sont capables d'adhérer à un courant aussi majoritaire que celui-ci, États-Unis, vous voyez au Moyen-Orient, vous voyez un peu partout, tout le monde prône le droit pour chaque peuple à décider de sa propre destinée, eh bien, des pays qui étaient dans une démarche de xénophobie ou d'hostilité parce qu'on les poussait quelque part à se mélanger et à se déraciner, dès lors qu'ils peuvent se réenraciner sur eux-mêmes, ils peuvent se parler d'égal à égal. Et ce que je veux juste dire par rapport à cette réalité-là, c'est que la solution principale par rapport à cette xénophobie et ces tensions, qui existent entre les pays d'Afrique subsaharienne et les pays d'Afrique du Nord, c'est qu'il faut que les pays d'Afrique subsaharienne aussi arrêtent de penser que le bonheur est ailleurs que dans leur propre pays. On en arrive à la continuité de ce qu'on disait auparavant. Réapproprier ce principe quand Donald Trump dit « America first », mais il faut aussi que les nôtres soient dans une démarche d'Afrique subsaharienne first. Pensons d'abord à nous. Arrêtons de penser que le bonheur est au Maroc, au Tunisie, en Algérie ou autre, parce qu'ils n'ont rien de plus que nous. Soyons très clairs. Travaillons nos propres pays, et à partir du moment où on se sera réapproprié notre propre souveraineté, vous verrez que le rapport sera très différent avec les pays du Maghreb et les pays du reste du monde aussi. Donc, on en arrive toujours à cette jonction-là qui est que, à partir du moment où on comprend que le souverainisme est le pansement absolu pour soigner cette plaie du néolibéralisme-là, d'accord, cette souverainisme anti-globaliste ou anti-mondialiste de manière générale, on aura beaucoup plus de chances de parler de peuple à peuple de manière égale que de parler de sujet ou de soumis par rapport à des forces extérieures impériales.